Cela fait un mois que l'expert en médecine traditionnelle chinoise, Fang Bangtiang, et son équipe ont commencé leur lutte contre la Covid-19. Alors que la ville constate un déclin progressif du nombre de cas, Fang déclare avoir confiance pour aider à vaincre l'éruption épidémique. Quand on lui demande d'où vient cette confiance, Fang nous éclaire sur son travail avec la médecine traditionnelle chinoise. Nous avons mené un traitement combiné alliant la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale. La médecine traditionnelle chinoise joue un rôle efficace dans le traitement des patients de la Covid dans ces hôpitaux d'urgence de Shanghai. Cela pourrait contribuer à raccourcir de 2 jours le temps de rétablissement des patients dont le test est positif. Outre cette décoction, la médecine traditionnelle chinoise va également mener une thérapie sans médicaments pour aider les patients de la Covid à surmonter l'anxiété à laquelle ils pourraient être confrontés. Nous avons initié des patients au Tai Chi, un art martial traditionnel chinois, pour les aider à surmonter les craintes et les anxiétés qu'ils pourraient avoir. L'acupuncture et le massage traditionnel chinois sont également très populaires. Fang déclare que gérer les problèmes émotionnels des patients est également important pour leur traitement. Alors qu'un nombre croissant de patients se rétablissent et sortent de l'hôpital, des experts estiment que la médecine traditionnelle chinoise est capable de les aider à se réhabiliter et apaiser tous symptômes prolongés.